les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Marco YT. Donc aujourd'hui, ça va être plutôt sur la présentation du casier. Ok. Et quelques parties. D'abord, on va commencer par voir la boutique. Et je n'ai pas encore mon code créateur. Certains scènes. Non, attends, je vais écouter. Franchement, mes écouteurs, oui. Oh lune. Oh les cas 500 V-Bucks. Oh, on va pas l'acheter. Ok, ça me plaît, mais... Les gars, franchement, dites-moi si ça vous plaît, parce que moi, ça me plaît pas trop. Ah oui, alors... Là, je vais vous présenter mon casier. Alors, putain, bouge, arrête de m'inviter, voilà, cheval à rescue, c'est pas son sac à dos, hein, mais voilà, c'est pas son sac à dos, cheval rescue rouge, vous me direz lequel que vous avez préféré, l'expert des câlins, c'est pas son sac à dos non plus. Le Joker, là, qui est beau, et regardez qu'on peut... Merde, attendez, c'est pas ça. Qu'on peut changer en forme, lui, et en forme, cœur, pique, truc, voilà, vous avez vu. Le dragon, je sais plus comment il s'appelle, franchement. Le molosse de guerre ardent, voilà. Ravage, la... Maîtresse à corbeau, enfin voilà, la copine à corbeau, la meuf, voilà, c'est pas son sac à dos non plus. La succube, voilà. Elle est pas moche, hein, c'est vrai, j'aime bien les talons et tout. Putain. L'infirmière de terrain, là, on va changer en plusieurs formes, vous voyez. Elle, le, on va dire ça, comme ça, expert des câlins pour Halloween. La femme du Joker. La lapine masquée. Marshmallow. La skieuse française. J'ai pas pris le skieur, ni les autres skieuses, j'ai pris la française. Comme on est français. L'assassin arctique. La pirate que je me suis acheté qui a plusieurs formes. Genre, regardez vous, si vous voyez la différence hein, sur les bras déjà et puis le chapeau. Et les yeux. L'exécuteur. C'était un... Saison 5 et le skin secret. Le corbeau, tu vois, bah vous voyez là, il va avec son sac à dos. Voilà. Le corbeau glacé. Cœur noir, le pirate. Donc là, regardez. Comme ça, comme ça, comme ça. Comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. Là, je l'ai en noir. En comme ça, en comme ça et en comme ça. La chevaleresque glacée. Pas la chevaleresque rouge, la chevaleresque glacée.
La calamité, donc elle a plusieurs formes aussi. Donc là, ce sont le chapeau de couleur d'abord. J'avoue. Bon, bref, deuxième forme de la calamité. Voilà. Là, vous voyez la différence? Là, exactement. Ici, là, elle n'a pas de la fumée qui sort d'ici. Et là, regardez, elle a de la fumée. Là, de cette couleur-là. Là, de cette couleur-là. Là, vous voyez le bandeau, ici, là. Vous voyez le bandeau. Et regardez, là, par exemple, c'est cette couleur-là, vert, violet, puis voilà. Celui-là, Skin Secret saison 6, que je n'aime pas trop. Donc, elle n'a pas de forme. Et genre, regardez, genre, dès que son sac à dos... Bon, je vais vous le dire tout à l'heure, quand on ira voir le sac à dos. Regardez, quand il tire à travers ici, là, on se prend pas ses balles. Donc, en gros, il est cheaté. Mais moi, je l'aime pas, donc je le mets pas. Le skin Scorpion, que j'ai acheté à 800 V-Bucks. C'est mon skin tryhard, c'est un de mes skins tryhard. La tennisman. Attends. La lobeuse, la tennisman, en gros. Qui est assez stylée. Un skin. Hein, voilà. L'hybride. Donc, là, c'est cette saison-là. Donc, vous voyez, l'hybride. Je l'ai comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. J'ai en toutes les formes. Ça, il n'y a pas de problème. Même en électrique. M'en manque juste la couleur rose. Donc, j'ai un rouge, la bleue, la noire. Attendez. La rouge. Là, vous voyez sur l'épaulette. Rouge, bleu, noir et rose. Et là, c'est genre le style de couleur du corps. Donc, pas de l'épaulette. Regardez. Là. Donc ça c'est l'hybride vert, l'hybride rouge, on va dire ça, gris et violet. Voilà. L'implacable. Donc genre quand tu fais des kills, il s'allume. Enfin, regardez comme ici là, comme dans sa petite miniature. Ici là, regardez, il est comme ça, exactement comme ça quand il s'allume. Enfin quand voilà. Merde. Voilà. Donc ça, c'est le roi du feu. Donc c'était le prisonnier de la saison 7 du roi des glaces. Et là, il fallait chercher des clés pour déverrouiller. Donc là, la tête est déverrouillée. Les bras sont déverrouillés. Enfin, oui, voilà. Attendez. Ouais, les bras sont déverrouillés. Et là, c'est bon, il est tranquille. Et tout est déverrouillé et tout. Il manque juste son sac à dos qui est pas déverrouillé. Et la ceinture, mais on s'est fait exprès. Ah non, putain. Donc ça, c'est le Lickian, palier 100 saison. Attendez, ça m'en rappelait 6, voilà. Donc là, j'ai le forme 1, forme 2, forme 3. C'est à cette forme-là que j'ai commencé à aimer les autres, j'aimais pas. Forme 4. Forme 5, forme 6. Là, vous l'avez en rouge, vous voyez là son costume, voilà. En bleu, en jaune et en marron. Ah. Ah, voilà, lui, il a pas le mauvais idée, qu'est-ce que c'est? Forme 1, forme 2, c'est la lynx saison 7, palier 1, avec un autre. Étape 3, la 4. Attends, c'est les mêmes. Attends, vous voyez bien avec moi, c'est les mêmes, si vous voyez, hein. Y a quoi qui change?
Y a quoi qui change dans elle puis elle? Ah, dites-moi dans les commentaires, ce qu'il y a, ce qui change entre elle puis elle. Ah, ok, j'ai trouvé. Donc, vous voyez, là, il y a la queue de cheval à sa tête. Là. Attendez, merde. Ici. Et là. Elle n'y est pas. Là, on a la queue derrière du chat. Et là, on a normalement là, enfin, la queue et la queue de cheval. Et là, on a la queue, mais sans queue de cheval. Donc là, il y a celle-là des couleurs qui changent de couleur. Voilà. La rouge, bleu et noir. Pas fait exprès. Le nomade, donc ça c'était saison palier 1 saison 5. Vous voyez sur la premier style. Ce qui est pas moche. Moi j'aime bien ce skin, il est plutôt beau, hein. J'adore le masque, c'est tout. Enfin, je l'aime bien. Voilà, tout court. C'est style 2, qui est beau aussi. Style 3, qui est moyen, j'aime bien quand même. Là, le style 4, bah, c'est le plus beau pour moi, avec lui. Parce qu'il a le masque. Alors si lui il aura le masque, lui ce sera largement plus beau. Le masque, il est magnifique. Style 5. Donc vous voyez comme ça. Et là, style 6. Donc là, le style 5, il n'a pas d'électricité, vous voyez bien sur son pull. Et là, regardez, il en a plein. Voilà. Lui là. What? Ah oui, il a pas de style. Le pilote arctique, c'était dans un pack. Moi, je l'aime bien. Vous voyez? Le Ragnarok, palier 100, saison 5. Donc, il y a la première forme. La deuxième forme. Troisième forme, et vous me direz, hein, il est juste plus renforcé, c'est un peu plus. Regarde là, il y a l'épaulette, voilà. Là, les cheveux, la barbe et tout, ils augmentent. Là, il y a les épaulettes des deux côtés. Bah, là, il y a le masque, voilà. Là, c'est le style 6. Bah, vous voyez les feux, les regarde, comparé à lui, vous voyez rien là au niveau du masque. Et là, au masque, les cornes, ils sont bleus. Et le Ragnarok, regardez bien ses yeux, on voit la fumée qui sort, la fumée bleue, voilà. Et là, bah, c'est exactement le même, hein. Mais regardez, cherchez, sans épaulette. Une épaulette, c'est ça, là. Mais regardez, là, il en a pas. Ah, merde, il en a pas. Voilà. L'allié, le pack saison 5. Voilà. L'agent rebelle que j'ai acheté à je sais plus combien de V-Bucks, qui est pas mal. Palier 1, saison 7 aussi, c'était lui que je vous parlais avec la lynx. Donc première forme, je l'aime pas. Deuxième forme. Troisième forme. Quatrième forme. Je l'aime que dans cette forme-là en fait. Avec cette couleur-là. Ce truc-là. Voilà. Les quatre formes. Là, c'est les couleurs blanc de la moumoute, là. Donc, voilà. Blanc, vert, marron. Et voilà. Là, vous voyez le laser. Enfin, une sorte de laser, là, son masque. Bah, violet. Il y a le jaune. Et les griffes, c'est exactement la même chose. Regardez bien les griffes aussi. Jaune, le bleu et vert. Le voleur de cœur glacé, qui était dans le pack avec le corbeau glacé et la chevaleresque glacée, qui est pas moche. Le voleur de cœur des cheveux, c'était un pack là où on peut gagner en faisant des défis 2000 V-Bucks. Donc voilà les amis. Voilà. Qui est pas mauvais, moche, moche.
La Valkyrie en feu qui vient d'être dans un nouveau pack avec exactement, je vous la montre après, ce skin-là. Et des planeurs et une pioche, mais je vous les montrerai. Enfin, je crois pas qu'il y ait une pioche. Non, il y avait qu'un planeur. Oh, ouais. Je me rappelle plus, mais. Et puis un sac à dos, voilà. Voilà. Voilà, vous la voyez bien. Deux sacs à dos et un planeur, voilà. Là. La Valkyrie en glace, elle que j'ai achetée, qui était achetable. Parce que moi je savais pas que ce pack-là allait sortir. Du coup, bah, je me suis acheté elle parce que je l'ai acheté saison 5. Le roi des glaces. Toutes les formes. Regardez, bleu, rouge, bleu, blanc, rouge, légendaire. Non, je rigole. Attendez, merde. Bleu, rouge, blanc, comme vous voyez. Bleu, rouge. Blanc. Et voilà. Voilà. Elle est pas mauvaise, elle est pas moche, elle est pas moche, j'aime bien, j'aime bien. Il est pas moche. Donc ça c'est un pack saison 6, le pack alpin, qui est pas moche, hein. Moi je l'aime bien franchement, il est pas moche. Hein. Il est beau. Le skin banana, que vous voyez bien. Que genre quand il a des formes il commence à pourrir un peu, enfin pourrir, mûrir, un truc comme ça. Le rubis, celui-là je vais vous montrer l'autre, celui-là on s'en fout, s'en fout, on s'en fout, on s'en fout, parce que je l'ai acheté sans le faire exprès, j'ai plus de ticket de remboursement, voilà. Donc lui on s'en bat totalement les couilles. Donc lui que j'aime bien, qui est pas moche, je l'ai acheté pour Noël, pour que j'aimerais bien avoir un skin de Noël, voilà. Le chaperon rouge, passe de combat, ouais, saison 6. La plupart ont des sacs à dos, hein, je vous les montrerai après. Elle, palier 1 avec le nomade, saison 5, qui est pas moche. Le pack cobalt, je l'ai eu saison. Cette saison-là, je crois. Ou la saison d'avant. Bah. Juste avant le pas, de, pas juste avant le pack de la Valkyrie, encore avant, genre bon, vous verrez bien, si je vais vous dire après, voilà, il était dans un pack. Là, c'est vampire, c'est une vampire, mais saison 6, Cucurbitacée, saison 6 aussi. DJ Lama, saison 6. Le Bambi avec son petit lama, saison 6 aussi. Regardez, il est pas vraiment assis. En fait, c'est des fausses jambes qui s'est mis dans une salle open, des fausses jambes. Et là, ils sont là, ses vraies jambes. La grenouillère, tu peux. Maintenant, fallait faire des défis pour l'avoir en cette forme-là. Et de base, elle était comme ça. Bon, elle est pas moche, elle est bien. Merde, attendez, j'ai buggé, j'ai buggé. What, on en est où? L'ombre occulte, voilà, que j'ai acheté, que j'aimais bien, qui est pas moche. La ligne rouge, passe de combat saison 5, qui est bien. Le marteau pilon, passe de combat saison 5. Ah oui, j'ai oublié de préciser, passe de combat saison 7. Voilà, on dirait Chris Kyle pour ceux qui connaissent. La poudreuse, donc saison 7, et en faisant des défis, on pouvait avoir celle-là aussi. Comme ça. Et de base, elle est comme ça, saison 7, voilà. Le Venard des routes, c'était à la Saint-Patrick que je l'ai acheté il n'y a pas si longtemps que ça, juste avant les vacances, vous voyez. Le Venard des routes, que je trouvais beau comparé à Madame Trèfle, je préfère lui. Oui, il est pas mal, moi l'aime bien. Le Yeti, que lui aussi, c'est le dernier là, il n'y en a que trois, il y a. Voilà. Le Yeti qu'on pouvait avoir aussi en couleur, comme ça. Et de base, il est comme ça que j'aime pas. Je l'aime pas tout court de base. Hein. Elle, saison 8, passe de combat, qui est franchement qui est bien, hein, qui est stylée, assez belle. Et lui là,
On reconnaissait ce petit le soldat au crâne, comme la plupart disent, le school trooper, je crois. Et regardez, là, il est en couleur comme sa pioche. La pioche, il a deux pioches. Je vous le montrerai après. Elle, t'as vu ça, enfin, ah non, le en blanc et puis en voilà comme ça. Là, le beau rugbyman. Donc là, j'ai mis le numéro 7. Après, tu peux mettre le numéro que tu veux. Donc là, c'est la team Fortnite. Après, je connais pas, mais je vous les montre. Et voilà. Le passe de combat saison. Bon, ça c'était dans la boutique. Et lui aussi. Passe de combat saison 7. Donc il a plusieurs formes. C'est. Ah merde, je sais plus. Père Noël, enfin voilà, vous me comprenez. Conducteur d'avion. Qui est comme ça. La forme 2. C'était en faisant des défis. Hein, mais ils sont pas mauvais, ils sont pas moches. J'aime bien lui. Et lui. Voilà. Je le mets pas. Elle qui est trop stylée. La secrétaire de guerre, passe de combat saison 5, qui est trop belle, trop bien. J'adore le skin. Elle aussi, je l'adore le skin. Passe de combat saison 5, c'est la sauveteuse si je me trompe pas. Voilà. Saison 5, qui est pas moche. La vipère saison 8, je l'aime pas trop. Bah genre ça fait un petit peu Bambi, tu vois. J'aime bien, mais bof. Enfin, je l'aime pas. Là, vous voyez, la... Merde. Skin crâneuse. Donc, en faisant ces défis, vous pouvez avoir cette forme-là. De base, elle est comme ça. Moi, je l'aime bien. Je l'ai acheté. Je l'aime bien. Comme mon cousin. Là, la fortune, je l'ai eu. J'ai eu un bug. Ça m'a revendu des skins. Et ça m'a acheté cela. Bon, je sais pas ce qui s'est passé. Mais du coup, j'ai racheté mes autres skins. Et puis, au final, tout va bien. Je l'aimais, je l'aime bien. Elle, bah c'était un. Bah vous voyez le pack cobalt ici. Mais bah, le pack cobalt il était juste avant ce pack là. Et ce pack là était juste avant le pack des. Vous savez là, les. Merde, la Valkyrie, voilà. Voilà. Là, la. Terreur Fluo. Terreur fluo maléfique. La lapine masquée. Donc c'était pour Halloween, une sorte de lapine, vous voyez. Et lui, c'est sergent, officier de garnison. Voilà. On passe au sac à dos. Valkyrie, le sac à dos de la Valkyrie au feu que je vous parlais. Le bouclier de la chevaleresque rouge. Le sac à dos du molosse de guerre en feu. Sac à dos du Ragnarok. Bon, la lapine blanche, vous savez, le lapin. Voilà. Lapin de Pâques, la blanche, la fille. La lapinette. Vous voyez, la lapinette, un truc comme ça. Là, c'est de la lobeuse, de la tennisman. Chevaleresque glacée. Là, c'est le sac à dos du road trip. Enfin, en gros, du ski de secret saison 5. 5. Bah, celui-là, c'est sac à dos du. Passe du Zénith, du palier 1, pas la fille, mais du garçon palier 1, saison 7. Là, bah, je vous laisse deviner un peu quand même. Bah, c'est pas du corbeau, bien sûr.
C'est du ravage, la femme à corbeau. Voleur de cœur déchu. La Valkyrie normale. Alors ça, c'est pas de la Valkyrie, hein. Ça, faut bien regarder. Ses ailes, c'est de ce skin-là. Je sais plus comment il s'appelle, mais c'est de ce skin-là. De ce skin-là, voilà. Là, voleur de cœur glacé. Je l'ai pas le normal. Du prisonnier. Saison 7. Et un de mes sacs à dos préférés, lui. Saison. Bah non, du corbeau glacé, c'était dans le pack. Il est beau, hein. Moi j'aime bien, franchement. Là, le sac à dos il a plusieurs formes. Là, comme ça, du palier 100, saison 7. Ça, c'est la cible. Genre, c'est le sac à dos du. Vous savez, quand on tire dans son ventre, il se prend pas ses balles, vous voyez? Sac à dos du cœur noir, que j'ai débloqué. Ça, le sac à dos de l'expert les câlins. Le sac à dos de l'implacable. Le sabre du loup-garou. Saison 6. Le truc de l'infirmière. Ça, c'est de la sauveteuse, de la sauveteuse, saison 5. Ça, c'est le pack alpin. Vous savez, le jaune là, qui est sac à dos, que ça va, il est beau. Ça, c'est sac à dos enfin, de la femme à Ragnarok. Rock. Je sais pas si vous voyez c'est quelle. Bref. Ça, sac à dos du vampire, de la femme vampire. Qui est pas moche. Ça, c'est le sac à dos l'ombre occulte. Le Joker. Du pack que je vous ai montré, lui, là. De celui-là. Voilà. Ça, passe de combat, il a aucun, hein. Passe de combat, saison 7. Saison 6, passe de combat. Ça, le pack, le tout premier pack que j'ai eu, saison 5. Ça va avec le skin expert des câlins, vous voyez, comme je vous ai dit, expert des câlins maléfique, enfin, vous voyez, de Halloween. Ça, on pouvait le gagner en faisant des défis. Donc, si on fait un kill, il fait un dab. Ça, c'est le sac à dos du Yeti. Du pack Cobalt. Du DJ Lama. De marteau pilon. Skull Trooper. Ça, c'est le poste de combat. C'est le gardien des clés. Poste de combat saison 8. Ça, c'est celui-là du bonhomme de neige. Ça, c'est du chien. Donc, les premiers qu'il y avait, saison 6. Ça, la skieuse. Ça, saison 7. Ça a commencé. Saison 7 aussi. Le caméléon. Le chien de glace, saison 7. Ça, c'est saison 8. Le pack, un des packs aussi. Ça, c'est le pack saison 5, entre la saison 5 et la saison 6. Du pack, la meuf du Joker. Ça, c'était saison 6, le dragon. Qui est pas moche, hein, je l'aime bien, moi. Le juste problème, c'est qui est-ce qui lui tient. Le chien en or. J'ai débloqué il y a pas longtemps. Hier, je crois. Ça, le trèfle. De la Saint-Patrick. Ça, passe de combat saison 6, il appartient à personne. Passe de combat saison 7. Aussi. La crâneuse. Donc elle a plusieurs formes, soit ça, c'est la crâneuse. Ça, de terreur maléfique. Ça, c'est le petit Kevin qu'on pouvait gagner en faisant des défis.
C'est une petite partie du cube. C'est une toute petite partie du cube. Ben, que ils ont récupéré et qu'on pouvait gagner en faisant des défis. Et que moi, j'aime bien le petit Kevin. Regardez, petit Kevin, accessoire de dos, voilà. Là, le lama qu'on pouvait gagner en plusieurs formes quand il y avait la grande cavale qui est ressortie. Pas hier, pas celle de la grande cavale d'hier, mais la deuxième grande cavale. Là, c'est la troisième grande cavale. Là, le pack rouge, là, la femme en rouge, voilà. Pas la femme du Joker, l'autre. Le banjo. Ça, la sac à dos de la vipère. Ça, c'est le sac à dos de la femme pirate. Donc, pour les deux formes, la première forme de la pirate, il y a ce sac à dos là. Et la deuxième forme, il y a ce sac à dos là. La fleurette que j'ai achetée à 200 V-Bucks, je trouvais qu'elle était cool. Donc voilà. Ça aussi, je trouvais que c'était à 200 V-Bucks. Je trouvais que ça pouvait faire un petit truc en plus. C'était cool en plus. Donc j'aime bien. Et ça, c'était en passe de combat gratuit, le sac à dos de la poudreuse. En pioche. Voilà. Donc là, il y a la pioche de School Trooper. C'est une des pioches. Il y a en bleu, voilà, en vert. Cette pioche-là, t'as différentes couleurs. La pioche passe de combat. Bon, je dis plus les passes de combat. Du hybride. Ça, c'est la pioche le dragon garçon. J'ai acheté. Pioche du Ragnarok. Et voilà, pioche du Ragnarok. Bon, attendez, je vais mettre ça ici, là. Attendez, faut que je trouve. Voilà, je le mets là. Non, je sais pas si vous entendez. Bref, je vais vous montrer les sons. Là, je suis hybride. Nomade. Agnirock. Passe de combat saison 5. Allez, appartient à personne. Ça aussi, saison 5 appartient à personne. La faucheuse que j'ai achetée. La pioche d'expert des câlins que j'ai acheté. La machette qui est dans la boutique mais que j'ai acheté avant. La pioche de la calamité. La pioche de cœur noir. La pioche du requin là, donc je l'ai acheté. Là il y a plusieurs formes aussi. Attendez. Hop. Il y a plusieurs formes. Il y a bleu. Enfin en gros, il y a bleu clair. Rouge. Bleu. What? Mais c'est les mêmes. Mais non. Bon, bref, vous voyez, et là, en noir, enfin noir, et ça fait du blanc, enfin voyez, vous voilà, c'est la pioche de la lynx, ça c'est la pioche de... Merde, de palier orbe, de zénith, la pioche de voleur de cœur qui est aussi dans un pack, celle-là, la pioche de voleur de cœur glacé, la pioche de DJ Lama. La pioche du l'assassin, enfin vous voyez, voilà. Ça se passe de combat là, la pioche du skin que j'ai pas encore, le gardien des clés. Arachné, enfin la pioche tu sais, monsieur araignée et madame araignée, un truc comme ça. La pioche du corbeau glacé. La pioche du magicien que j'ai acheté, je trouve bien. La pioche du palier 100, donc vous voyez, là, regardez bien sur les bordures ici, là. Elle est en bleu, rouge. Bah, comme il est en blanc, voilà, bah on ne voit pas. Et puis, jaune. J'ai oublié de vous la faire taper. Donc là, la pioche de la vipère. Marshmallow. Vous voyez, ça fait une musique. La pioche du Yeti. La pioche du chapeau rouge. La pioche de la comment ça s'appelle? Chevaleresque glacé. La pioche des rugbyman, il y en a plusieurs, mais moi j'apprends elle.
La pioche des Chinois, des skins chinois. Là, ça. La pioche de Monsieur Glace que j'aime bien. La pioche banane que j'ai achetée. Je l'aime bien, franchement, je la trouve bien. Le pied de bisque en étant en défi avec Goncaval que j'ai eu saison 5. Là, c'est la pioche de la femme de merde, comment il s'appelle déjà? Bon, du palier 100 saison 7, là où il y a les 4 couleurs. Ça, c'est la pioche de la femme que je trouve assez stylée, les pioches. Ça. Voilà. Ça. La pioche des trucs de R. Et pioche de Bambi. Planeur. La voiture. Voilà. J'en ai que 3 légendaires sur 5. La voiture qui donne de la musique et tout. Le dragon de glace. Le Valkyrie, dragon de feu, le train, la chauve-souris, le l'oiseau de nuit, le truc désert, ça va être le truc désert, épère avec les araignées, ça c'est saison 5 de la sauveteuse. Saison 5, tout seul. Le magicien. Planeur du top 1. Saison 8. Furtif, que j'ai acheté, qu'on me l'a offert sans faire exprès. Ah non, c'est lui, furtif. Mais là, c'est rétrograde. Saison. Voilà. Le planeur de Marshmallow que j'ai acheté, qui est franchement stylé. Regardez sur déploiement. Là, le planeur de fortune. Enfin, c'est le planeur fortune. Enfin, regardez, le planeur, ça fait luge de fortune. Voilà, c'est un peu l'oiseau de Twitter, saison 7. Saison 8. Appartient à personne, appartient à personne. Là, le planeur de Rex. Le planeur des épouvantails. J'ai acheté parce que je le trouve vraiment stylé. Le planeur de Omega. Le planeur saison 6 qui appartient à personne. Là, c'est là, en fait, c'est un ami qui devait nous l'offrir à la Saint-Valentin. Un ami qui devait nous l'offrir et nous, on lui offrait en échange. Là, le planeur d'Arborger. C'est pas le planeur du Monsieur Burger. C'est le planeur de la. C'est la femme avec le sort en pyjama, voilà. Le cylindrique que j'ai acheté. What? Je l'ai acheté quand celui-là? Moi j'ai dû l'acheter, je l'aime bien, il est pas moche. Celle-là, l'air royal de la poudreuse. Saison 8, le planeur du gardien des clés, je crois. Ça, c'est le planeur du Père Noël, saison 7. C'est vachement cool, un cadeau de Noël des roquettes, quoi. Le planeur de la vipère, corbeau glacé. Je vous laisse le déploiement quand même. Planeur du Joker. Le planeur qui appartient à personne, c'est en faisant des défis. Planeur saison. Bah, cette saison-là, de la fille en feu, là. Ça, le défi vient de sortir. Hein, ouais. Il y a ça, tu l'as hors de forme. Il y a ça, du pack alpin. Là, passe d'armes, qui est comme ça, qui est assez stylé. Ça, c'est le. Ça. Genre, il y a une fouine dedans. Il y a fouine pour le gâteau, elle bouffe, quoi. Là, planeur du top 1 saison 6, planeur du top 1 saison 7, planeur du top 1 saison 5, avec lui aussi saison 5, et lui saison. Planeur du Bambi. Les traînées, bah ça je les connais pas donc j'ai elle. Elle.
balance. Alors, on balance la sauce. Voyez, là, une balle de, la balle de golf, ah, une balle de basket, en gros, c'est un peu les mêmes, on va dire ça comme ça, mais en gros, elle rétrécit, casse la baraque. Flamenco. Pom pom. Do de lilan. D'abord fini. La boule de neige, la balle de basket, balle rebondissante, baf. La tomate. Sur l'autre secteur. Ah oui, dites-moi dans les commentaires, les amis. Ça, c'est team tomate ou team burger? Sur l'autre saxo. Deux crèmes. Joie de vivre. Marshmallow. Pantomime, pardon. Voilà celle-là. Twist. Ce tag-là. Google down. Electro shuffle. Flow endiablé. Balle de golf normal. Le ballon de plage normal. Electro swim. Danse du poignet. Conga. Calcul mental, ça urge, le burger, banane,
Le ballon de football américain. L'ennui. Regardez, ennui. Il s'ennuie. L'esprit mélo, il y en a plusieurs. Regarde. Attends, il y en a plusieurs. Voilà, il y a elle, il y en a encore une, attendez. Voilà, et elle. Le flip félin. Omara. Lâcher le micro. Ondulante. Anniversaire de Fortnite. Après, c'est des tags que je connais pas. L'alarme. Les 200 mètres. Zinzin. La tomate. Mais c'est juste une tomate. Genre, c'est pas la tête de Monsieur Tomate. C'est juste la tomate, là. Le cou. La posture du dragon. Là. Le palais. Palais givré. Le haou. Après, c'est des tags, je les passe vite. Hein. Oh là là. Attendez, j'ai perdu, mais j'ai bugué. Là.
Voilà pour les danses. Maintenant, les revêtements, le sœur. Ah non. Voilà. Bon, les icônes, voilà, c'est pas ouf, mais voilà, j'ai tout ça. Voilà, j'en ai plein, souvent des skins et tout, voilà. Je vais passer tout de suite aux photos parce que j'en ai beaucoup. Je passe vite les photos. Donc vous me dites laquelle vous préférez. Moi, franchement, la préférée c'est elle. Elle est trop stylée avec les petits regards et tout. Donc en danse, vous me dites, hein, laquelle vous préférez, je la mettrai.
Bon, allez. Sur ce, moi, j'aime le floss. Voilà, c'est ma préfère. Et après, bah, voilà, il y a elle, c'est Joku. Elle est pas ouf, pas ouf. On va pas se cacher les choses. Elle est pas ouf pour moi, elle est pas ouf pour moi. Pour moi, pour moi. Alors attendez, je vais changer de skin. Vous voyez, je vais mettre mon petit équipement là. Alors, la demande d'ami reçue. Qu'est-ce que j'ai à foutre des demandes d'ami? Donc mon skin, là, voilà. Le sac à dos, bah voilà. La pioche, je l'avais mis laquelle avant? Bon, les pioches, je les aime tous, franchement, mais je mets elles, des fois. Le planeur, coupé rétro. Mais. Et la traînée, bah. La traînée, c'est elle, normalement. Qu'est-ce que tu veux, voilà. Donc, je fais des games ou pas? Il est quelle heure? Ça fait combien de temps que je suis sur la vidéo? 58 minutes. Allez, oh, allez, une petite game et puis c'est tout. Ok, les amis. Donc, les amis, vous entendrez peut-être pas. Désolé, je peux pas faire autrement. Parce que c'est que ma deuxième vidéo sur Fortnite Battle Royale. Donc, voilà. Donc, là, c'est. Je fais juste une petite game pour vous faire plaisir. Puis voilà. Bon, voilà. Moi, j'ai mis lui parce que franchement, je trouve qu'il est beau et tout. Voilà, moi, je l'aime bien. Et voilà. Donc, comme on peut voir, il y a des Bambis. Genre, je sais pas, moi, j'ai un bug. Genre, ça monte les skins. Il y a des skins Bambis alors que lui, regardez la pioche qu'il a. Alors... Ah non, ça marche pas quand je tire dans la pioche. What? What? C'est quoi ces mecs qui se prennent pas leur balle, quoi? Oh, il me fait du taper, taper, taper. What? Il se prend pas les têtes, là. Bon, là, ça moque. C'est que ma première game du matin. Je vous présente mon casier, puis tout, quand même. Les gars, moi, je vais là, tranquille, vite fait. Donc, je vous précise bien un truc dans les vidéos. Ils sont bien. C'est vrai que les vidéos des autres joueurs sont beaucoup mieux que moi et tout. Mais quand elles font des glitches de V-Bucks, c'est pas du tout vrai. Je les ai testés, leurs glitches de V-Bucks. Hein. Je joue peut-être sur Switch, mais je les ai testés. J'en ai fait plus de 100 000 à peu près. C'est une expression. Et aucun marche. Hein. C'est juste pour vous prévenir. Hein, parce que si vous compliquez la vie à faire des glitches de V-Bucks, le jour où ça marchera vraiment pas, vous comprendrez rien. Bon, désolé les gars pour le petit kill de merde, mais j'en profite, hein. Je t'ai pas respecté, toi. Les gars, on est d'accord, j'ai vu un mec partir là-bas tout à l'heure avec des petites construits. Oh, me dis pas que c'est un pompe chasse bleu, je crois. Ah non, pompe tactique bleue, c'est quand même.
Mieux que Dieu. Oh, il est passé tout droit. Putain, je construis pour rien, moi. C'est quoi ça? Putain, la que dalle comme vie, me voilà. Le cassos, mec. C'est quoi ce mec qui pue la merde? Bon, sur ce, les amis, au revoir et n'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner et activer la cloche de notification si ce n'est pas encore fait. Et puis voilà. À plus, bye.